De deux. Montre. Tu vas leur lire pour que les amis l'entendent, ok? Ça focus pas. Oh. Crée une décoration pour le sapin avec quelque chose trouvé dans le bac de récupération. Découpe des flocons de neige pour décorer les fenêtres. Cool, mais non, t'as une petite déco. Ça va être une journée bricot. Tu te sens comment à 8 heures maintenant? Je me sens bien. Ouais, t'es-tu contente de ta fête d'hier? Oui. Est-ce que tu leur dis bon matin? Bon matin. On est rendu déjà au 6 décembre. Les filles ont reçu des défis de bricolage. Puis Andrea, elle avait reçu une trousse pour faire des colliers style grelot. Fait que ça va fitter avec leur défi de la journée. On va faire ça ce soir. Ils sont vraiment mignons. Il y en a 8 dedans. Donc, on va pouvoir en accrocher dans le sapin. On va pouvoir s'en garder pour porter dans leur cou à Noël. C'est vraiment cute. Salut ma belle gang! Chill de café! Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est rendu dans le 10e Vlogmas. Ça va vraiment vite. Ce matin, j'ai été très productive. J'ai fini le montage de 2 vlogs que j'ai pu mettre en ligne pour les vlogs que vous venez de voir, en fait. Fait que j'ai été très, très productive. Je suis vraiment contente. Sinon, les filles ont reçu leur activité. Je vous les ai montrées. C'est une activité qu'il faut qu'ils prennent quelque chose dans la récupération pour faire un bricolage de Noël. Moi, j'avais ajouté à ça l'activité des colliers en grelot de Noël. Je me suis dit que ça comblerait comme l'espace créativité de bricolage. Puis sinon, ils ont aussi l'option de faire des flocons de neige dans du papier construction pour décorer les fenêtres de la maison. Fait que ça, on fait ça chaque année. C'est vraiment apprécié. Les filles aiment super ça, faire ça. Et là, on va faire ça ce soir, car hier, il y avait des scouts. Par contre, hier, j'ai donné congé de leçons aux filles. Alors, on va essayer de rattraper les leçons et faire notre soirée bricolage. Je vais faire participer tout le monde. Ça va être vraiment, vraiment plaisant. Puis sinon, aujourd'hui, je vais vraiment avoir des nouvelles de la visite d'hier. Depuis hier, mon agenda me bombarde de questions. Fait que je trouve ça très positif. C'est vraiment emballant. Je ne veux pas me faire trop d'idées, mais j'espère vraiment que c'est la bonne. Castiel, ce matin, il est vraiment en forme. Il pète le feu. Il est en congé d'école. Aujourd'hui, son éducatrice va venir passer la journée avec lui. J'espère que vous m'entendez parce qu'il parle vraiment fort. Et moi, mon amie Catherine, ça fait déjà 5 semaines que je n'ai pas vu mon amie. On va faire notre journée popote de Noël. On va cuisiner 4 recettes de desserts que je fais chaque année. Alors, j'ai bien hâte qu'elle arrive. Je vais essayer de filmer tout ça. Je vais vous montrer le résultat final également, c'est sûr et certain. Puis, je vais faire un bilan en fin de journée. Et là, ce soir, en plus de la soirée bricolage, on a 2 livres du calendrier de l'Avent à lire. Je ne sais pas si on va trouver le temps. Je vais coucher les filles peut-être un petit peu plus tard. Avoir le temps de lire les 2 livres. Cette nuit, Madison n'a vraiment pas eu une belle nuit. Madison est connue pour faire beaucoup d'anxiété. Fait qu'à la moindre petite chose, le moindre petit bobo. Tu veux ton lait? Oui. Ok, ce sera bon, j'en vais. Alors, je disais donc, Madison est connue pour faire de l'anxiété. Et au moindre petit bobo, elle va vite dans la panique et dans la suggestion de gros bobos. Fait qu'elle est venue voir à plusieurs reprises. 5 fois avant 11 h. Je suis pas sûre que tu m'as entendu. Elle est venue me voir 5 fois avant 11 h. Elle était sûre que c'était le matin. Elle avait mal à l'oreille. Madison a eu des tumes quand elle était plus jeune. Elle a toujours eu beaucoup d'écoulements au niveau des oreilles. Là, elle avait l'oreille bouchée. On a eu comme 2 rhumes back-à-back dans le dernier mois. Je pense qu'il y a plusieurs familles au Québec, on a tous été pris de ça. Et là, souvent, ben, t'sais, ça peut virer en oreille bouchée ou otite. Là, hier, elle avait mal à l'oreille. J'ai mis une ouate, ça la réconforte toujours. Elle est allée dormir avec sa soeur en cachette.
Elle m'a dit ça ce matin qu'elle avait été rejoindre Andrea pendant qu'elle faisait dodo pour faire une plus belle nuit. Fait que moi, tant que tu réveilles pas ta soeur, ça me dérange pas. Fait que c'est correct. Ce matin, elle allait super bien, elle avait pas mal à l'oreille. Fait que j'espère qu'on va avoir une belle journée, une belle soirée, puis je vais aller coucher un petit peu plus tard pour faire la lecture des livres de Noël. Fait que sur ce, je vais aller occuper Castile. Je vais faire un chin de café. Puis on va se parler tantôt. Gang, je me suis dit que j'allais prendre l'avance avant que mon avis arrive, puis j'allais vous montrer tous les ingrédients secs que j'ai besoin pour mes 4 recettes. Fait que là, ici, j'ai gruyot, date, ça va être pour mes carottes, date, chipit que j'ai acheté hier au Costco, noix de coco râpée acheté au Walmart hier, Rice Krispies, sucre à glacer, il va en falloir quand même beaucoup, beurre de peanut, des mini guimauves, j'ai acheté ça au Walmart hier, mon lait évaporé aussi au Walmart, du sel, extrait de vanille, des chipites. Habituellement, je prends genre chocolat blanc, comme ça. Là, je sais pas s'ils ont changé leur emballage ou c'est la sorte qui est pas la même, mais là, j'ai des briseurs de crème blanche. Donc, j'espère que ça va goûter la même chose. Ici, j'ai ma cassonade, du sucre, du carbonate de sucre, de la pâte, mes canneberges et ma farine. Ils vont rester comme les ingrédients, là, genre beurre, mes cocos. C'est comme des ingrédients que je vais laisser au frigo. Puis ici, j'ai mon lait. Je pense que je voulais montrer dans un des derniers vlogs. Là, j'ai étiqueté les recettes à faire aujourd'hui. Alors, j'ai mes carrés de Rice Krispies, beurre de peanut et chocolat. J'ai mes biscuits chocolat blanc et canneberge. Ça, c'est comme notre classique du temps des fêtes, là. C'est vraiment les biscuits qu'on donne au Père Noël puis qu'on donne aux membres de notre famille. Ici, on a le fudge classique. C'est vraiment trop bon. La recette, je l'ai pris sur Carnation. C'est wow. C'est vraiment simple à faire. C'est les meilleurs fudges que j'ai jamais mangé de ma vie. Puis la dernière que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est mes carottes d'acte. C'est la recette préférée de ma mère. Alors, voilà. C'est les 4 recettes que j'espère avoir le temps de faire aujourd'hui. Sinon, mais c'est pas grave, je vais continuer probablement pas en fin de semaine parce qu'on va être à l'hôtel, mais la semaine prochaine, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui.
Salut belle gang! C'est l'heure du petit bilan de la journée. Il est rendu 3h30, j'arrive d'aller chercher mes filles. J'ai tourné toute la journée là, la popote que j'ai faite avec mon ami. Ça a été vraiment une journée productive. On s'est pas parlé par contre, mais je vous ai filmé là, tout ce que je pouvais de la cuisine. J'ai filmé aussi mon ami plus souvent qu'autrement cuisiner parce que là, me filmer en train de cuisiner, c'était plutôt compliqué. Mais ça a été super productif. On a fait 4 recettes comme je voulais. On a fait les carreaux dattes. On a fait 49 biscuits, pépites de chocolat et chocolat blanc et canneberge. 130 fudge et 121 carrés Rice Krispies beurre de pinot de chocolat. Alors là, tout est en train de refroidir ou reposer sur la table. J'ai eu le temps de prendre des petites photos. Ensuite de ça, je suis allée chercher, pardon, là, je suis comme à côté dans la fenêtre, puis ça fait des toc-toc. Je suis allée chercher mes filles vu qu'ils mouillaient. Et à leur retour de l'école, il y avait une petite surprise sur leur porte de chambre. Le lutin a décidé de changer le défi de la journée. Parce que ce soir, on va voir ma belle-mère pour sa fête. Alors, on n'aura pas le temps de faire la soirée bricolage comme prévu. Alors, le lutin a échangé les défis pour la journée générosité. Et ça, c'est un défi qui revient à chaque année. En fait, avec les enfants, on donne au centre d'entraide, soit à Victoriaville, Warwick ou ma ville à moi, on va porter des jouets qu'on n'utilise plus, du linge et des livres. Et on fait un panier de denrées pour donner à l'école pour le panier de Noël. Fait que ça va être ça le défi ce soir. Ça va être simple à faire. On va pouvoir faire ça après les leçons, avant le souper. C'est ça, il faut aussi faire le rattrapage de leçons qu'on n'a pas fait hier. Et je dois faire la préparation du souper, malgré que j'ai cuisiné toute la journée. Alors, c'est quand même une grosse soirée qui s'en vient. Ça devrait bien aller quand même. Là, c'est comme la troisième fois que je filme le bilan, parce que ma caméra ne voulait pas coopérer. Fait que j'espère que là, ça va fonctionner. Mais c'est ça, on a quand même une belle soirée qui s'en vient, ça va être la soirée générosité. En revanche, chez ma belle-mère, on va quand même avoir le temps de faire la lecture des deux livres du calendrier de l'Avent. Alors, je vais vous refaire un bilan en fin de journée quand les enfants vont être couchés, vous dire comment la soirée aura été finalement. Je vais essayer de filmer là, quand les filles vont faire leur boîte de dons. Vous montrer aussi les denrées qu'on va remettre à l'école. Puis le souper. Fait que sur ça, on va se parler un petit peu plus tard. Alors, Andrea a choisi de donner 3 livres finalement. Parce qu'Andrea a moins de jeux, elle aime beaucoup la lecture. Alors, elle a beaucoup de livres, puis elle va donner 2 jaquettes. Fait qu'on va mettre ça dans une boîte ici. Puis ensuite, ben, Madison va pouvoir faire ses petits dons dans une petite boîte Tim Hortons. Fait que le parti défi Andrea est fait. Merci, Poupoune! Alors, pour ce qui est du don alimentaire, on est allé fouiller dans ma réserve. J'ai quand même une grosse réserve de bouffe. Un petit peu maniaque, c'est bon. Bref. Alors, j'ai sélectionné une couple d'items que les filles vont pouvoir ramener à l'école. On a des crispy mini brisures de chocolat, des fins au blé, des sachets de riz noir et 2 canages. C'est toujours des produits dans ce genre-là qu'on donne à chaque année. Fait que les Madison et André vont pouvoir ramener ça à l'école. C'est-tu un livre que tu as déjà lu, ça? Je pense pas, hein? Non. On va en trouver un autre qu'on pourrait donner. Regarde, c'est une tête. On a terminé la boîte? Oui. Ça donne un pyjama, 2 jouets, puis un livre? Mm-hmm. Yeah! Oh. Youpi! Des livres de Noël. Fait que là, tu ouvres le numéro 5, Andrea, c'est d'hier. On va regarder le titre. La Belle et le Clochard, une partie de cache-cache unique. Wow! Maddy, tu trouves le 6? Capable de lire. Ajoute ses jouets 4 agents
simple à... Ça, ça n'a pas rapport. Fais juste dire ça d'imple. Veux-tu ma maman lise? Ta maman va lire. Oh non. Histoire de jouer 4. Agente Mec Dimple à votre service. Moi, je pense que c'est Dimple. Ah, peut-être. T'as raison. T'es meilleur que moi en anglais. On a de la belle lecture ce soir. Yeah! Je voulais pas vous oublier, alors je suis allée passer droit puis aller me coucher. J'avais pas fait mes vlogs. Il est rendu 8h30. J'ai eu mal à la tête toute la journée. Ça n'a pas été facile à gérer, ça, dans le fond, les 3 derniers jours. J'ai commencé à, je pense que je vous en ai parlé, je commence à me sentir un peu enrhumée. Et là, j'ai vraiment mal à la tête. Mais tu sais, j'ai pas mal à la gorge, je tousse pas, j'ai pas d'écoulement nasal. C'est vraiment juste comme, c'est un peu le nez bouché. Puis ça, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment dans les sinus, là, j'ai mal à la tête, c'est pas possible. Puis même si j'étais enceinte, je peux pas prendre d'Advil. Puis moi, ben, le Tylenol n'a aucun effet sur moi. Alors, j'en prends 4 heures, mais je vois aucun changement. C'est très pénible. Mais sinon, on vous a montré les 2 histoires qu'on a lues dans le calendrier de l'Avent. C'était 2 belles histoires, c'était le fun. Ça s'est super bien lu. C'est quand même des courtes histoires, fait que ça se lit super bien avant le dodo. Et sinon, on a passé la soirée là, chez ma belle-mère. Ma belle-sœur est venue avec ses 2 filles, son garçon. Puis mon autre belle-sœur aussi était là. Fait que les enfants étaient contents de voir leur cousin-cousine. Puis ça, sinon, on est revenu à 8h. Routine de dodo, lecture. Et puis là, avant d'oublier, je voulais fermer le vlog parce qu'on a recommencé un demain. Demain, journée chez la coiffeuse. Je m'en vais faire faire mes mèches et coupe de cheveux. J'ai hésité longtemps à savoir est-ce que je reviens à ma petite coupe cheveux très courts. Où je garde mes cheveux longs. Là, j'ai comme une petite coupe carrée mis presque aux épaules. Ça me permet de pouvoir les attacher. Et tant qu'à être indécise, je vais continuer à les laisser pousser. Quand je serai sûre de moi, tu sais, je me déciderai. On dirait que depuis, surtout depuis que j'étais enceinte, je suis beaucoup plus indécise que j'étais avant. Je suis vraiment plus, j'ai beaucoup plus de difficultés à prendre des décisions qu'avant. Avant, j'étais très tranchée sur mes décisions. C'était facile pour moi de prendre des décisions. Et là, j'oublie tout et beaucoup de difficultés à prendre des décisions. C'est génial. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié notre petit vlog cuisine. Puis, on va se retrouver demain pour une journée fifille chez la coiffeuse. Puis, j'ai des petites commissions à faire pour Castiel. Vu qu'on part ce week-end à l'hôtel, je vais être sûre qu'il ne manque pas de repas et tout ça. Fait que je vais aller chercher... ce qui manque là, pour m'assurer qu'il y ait tous ces repas ce week-end. Alors, je vais vous amener avec moi. Puis, sur ce, je vous dis à demain!